Je suis Baté Nyentidema, coordonnateur communal de la mutuelle de santé de Tukuntuna, la commune de Tukuntuna, située au nord-ouest du Bénin, fait partie des plus pauvres communes du pays. Les habitants accèdent difficilement aux soins de santé. Nombreux sont nous qui n'arrivons pas à payer une ordonnance de 5000 francs. Plus comique encore, d'autres sont contraints à ne remettre que ce qu'ils ont, avec réduction de la quantité de médicaments. Pour pallier à ce problème, les politiques du gouvernement ne cessent de proposer des portes de sortie. Avec la création du projet H, assurance au renforcement du capital humain. La mutuelle de santé de Tukuntuna s'inscrit dans cet ordre. Un système mis en place pour faciliter l'accès aux soins de santé en partageant les risques de maladie. Une organisation d'assurance qui subventionne vos frais de santé à hauteur de 60%. Elle lutte contre le mauvais accueil des patients mutualistes. Un adage dit, je cite, « Un malade bien accueilli est à moitié guéri ». Mais, hélas, malgré nos sensibilisations en appui avec le groupe Sekunatu de la Belgique, nombreux d'entre nous à Tukuntuna ne comprenons pas encore les avantages à s'adhérer à une mutuelle de santé. Puisqu'à peine 6% de notre population sont mutualistes. En plus, la mutuelle bénéficie peu de soutien de la politique communale. La santé étant un secteur capital pour le développement, nous lançons un appel aux autorités à tous les niveaux à mettre la main dans la pâte pour sauver la population de Tukuntuna. Nous invitons les populations de Tukuntuna à prendre conscience en s'adhérant à la mutuelle de santé de Tukuntuna.